pète la forme, il fait beau, il y a du soleil. Salut les sportifs, on est au jour numéro 9 déjà de mon challenge 14 jours pour perdre de la graisse récalcitrante, pour avoir les abdos secs et prêts pour cet été au bord de la plage, au bord de la piscine. Pour être un beau gosse ou une belle gosse, je vais t'aider à atteindre cet objectif. Alors, bien entendu, tu le sais, avant de taper dans les graisses récalcitrantes, il faudrait déjà que tu aies un taux de masse grasse relativement faible, 10% environ pour les mecs et environ 15% pour les femmes. Ensuite seulement, tu pourras réfléchir à une méthodologie exacte, plus ou moins précise, pour perdre de la graisse récalcitrante. Néanmoins, ce que je vais te montrer aujourd'hui, tu peux quand même l'appliquer parce que ça te fera perdre du gras de façon générale. D'accord ? Mais c'est juste pour te préciser qu'on ne peut pas taper sur les graisses récalcitrantes si tu as déjà un taux de masse grasse trop élevé. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je suis coach sportif diplômé d'État et je donne des conseils autour de la forme et également autour de la nutrition parce que j'ai suivi des formations autour de la nutrition avec des diététiciens qui me permettent d'avoir des bases plutôt correctes hein, autour de l'alimentation, ce qui me permet de te donner des conseils sur l'alimentation. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que je fais des vlogs en ce moment tous les jours où je vous montre ce que je mange, comment je m'entraîne. Donc n'oubliez pas de suivre mes précédents vlogs en cliquant sur le bouton « i » qui s'affiche en haut à droite ici. Je te montrerai le premier jour. Et n'oublie pas, pour ne louper aucune vidéo, de t'abonner sur ma chaîne bien sûr et d'activer la petite cloche de notification à côté du bouton « abonné » juste en dessous là de la vidéo. N'oublie pas non plus le pouce en l'air. Mais écoute, sans trop de blabla, je vais aller m'entraîner. Je vais ensuite prendre à la fois mon petit déjeuner et mon déjeuner parce qu'il est relativement déjà tard. Entraînement cardio, c'est 15 minutes pour moi aujourd'hui, 5 minutes d'échauffement, tranquille. 20 secondes, je vais courir à fond et 20 secondes de récupération. Allez, on est chaud pour avoir le six-pack pour cet été. Let's go ! Que la force du soleil soit avec moi. Entraînement terminé. Comme tu as pu le constater dans les jours précédents, je n'ai pas laissé reposer mon corps, je l'ai martyrisé. Du coup, aujourd'hui, je vais laisser un petit repos sur l'ensemble de mon corps, sauf sur les abdominaux, parce que ce sont des muscles qui récupèrent assez vite, en général. Et je vais travailler le grand droit, donc la tablette de chocolat, pour deux raisons. La première, si tu veux avoir des abdominaux, il ne faut pas juste éliminer la partie graisseuse qui t'empêche de voir les abdominaux, mais il faut également solliciter le muscle en question, c'est-à-dire le grand droit. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, comme j'ai expliqué en tout début de ma vidéo du jour 1, pour perdre la graisse récalcitrante, eh bien, ma méthodologie, c'est de favoriser une meilleure circulation du sang là où le sang circule mal, c'est-à-dire dans les zones récalcitrantes. Ça a été prouvé scientifiquement que là où il y a de la graisse récalcitrante, le sang circule mal. Et comme je l'ai expliqué également dans le jour 1, lorsque j'ai commencé le challenge 14 jours pour perdre la graisse récalcitrante, que tu pourras retrouver en haut à droite sur le bouton « i » tout à l'heure ici, tu cliqueras ici un peu plus tard, eh bien, j'ai expliqué que pour pouvoir perdre de la graisse récalcitrante, c'est également une histoire de récepteur. Le récepteur qui se trouve sur la cellule graisseuse. D'accord ? Tu as des bons et des mauvais récepteurs. Alors, je le répète pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne. Tu as des bons et des mauvais récepteurs. Les bons récepteurs permettent à la cellule graisseuse de libérer des acides gras. Et les mauvais récepteurs inhibent justement la capacité de libérer des acides gras. Et il faut savoir que ce soit pour le bon ou le mauvais récepteur, eh bien ces récepteurs sont adrénogènes, c'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent qu'en présence de la noradrénaline, une hormone que tu vas sécréter lors des efforts intenses, comme là par exemple, quand j'ai fait du fractionné, j'ai sécrété là de la noradrénaline. Donc là, si j'avais une bonne circulation du sang dans les zones récalcitrantes, peut-être que la noradrénaline aurait fait son taf sur les endroits récalcitrants et peut-être qu'il y aurait eu un déstockage des acides gras. Mais pour être sûr que ça se fasse, ou en tout cas améliorer les chances que ça se fasse, c'est pour ça que je fais du renforcement spécifique pour amener plus de sang dans ces zones-là. Tu comprends? Bah écoute, tout ça, ça reste encore théorique, hein, non prouvé vraiment scientifiquement, mais ça reste logique. Et puis de toute façon, ça ne te fera pas de mal de travailler tes abdominaux. Bah écoute, trêve de blabla, je vais aller travailler les abdos, je te montre tout ça. Allez, go! Yeah.
entraînement terminé, maintenant on va se ressourcer avec de la bonne nourriture. Allez, c'est parti, let's go. Alors, au repas de ce midi, nous avons du filet de cabillaud avec des choux de Bruxelles. Merci Sylvie qui a préparé ce plat avec amour. Alors, ce que je peux te proposer, avant d'installer le filet de cabillaud à la poêle, tu peux mettre un petit peu de farine intégrale histoire que le filet de cabillaud ne colle pas à la poêle. Et pendant la cuisson, tu rajoutes vraiment un tout petit peu de zeste de kombava en poudre. Ça, c'est super bon. Ça donne vraiment un petit goût acidulé au poisson et ça se marie très très bien. D'ailleurs, je vais goûter. J'ai jamais encore testé cette épice. Je vais te dire ce que j'en pense, mais d'après Sylvie, c'est très 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 bon. Bah écoute, place maintenant à la dégustation avec du chou de Bruxelles, bien sûr, pour m'apporter des vitamines, des minéraux et des fibres. Chou de Bruxelles cuit à la vapeur, 6 minutes à la cocotte, minute, je veux dire. Alors, nous allons goûter le poisson. Franchement, avec le zeste de kombava en poudre que vous pouvez trouver chez un spécialiste en épices, vous allez vous régaler. Je vous conseille d'essayer ça, ça donne vraiment un petit goût acidulé. Mais écoutez mes sportifs, moi je vais me régaler avec mes choux de Bruxelles et mon petit poisson. Et je vous dis à tout à l'heure pour la collation. Allez, bisous. Ok, alors petite collation ce matin avant le repas. Des fraises avec deux noix d'Amazonie, ce qui me permet d'apporter du sélénium. Le sélénium permet de lutter contre les radicaux libres et donc prévenir contre les maladies cardiovasculaires à moyen et à long terme. Et des fraises pour m'apporter des vitamines et des minéraux, plus des fibres. Allez, je te dis à toutes pour le repas du midi. L'heure de la collation, une grosse collation aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer. D'abord, on va voir ce qu'il y a à gauche. J'ai pris deux tasses de thé vert tout à l'heure. Ça me donne également une bonne excuse pour boire beaucoup d'eau dans la journée. Ça, c'est cool. Et deuxièmement, le thé vert augmenterait la thermogenèse, qui pourrait être un bonus pour dépenser plus de kilocalories supplémentaires. Donc, si tu veux perdre du gras, c'est un bonus qui n'est pas à négliger. Ensuite, prends également des fruits en début de repas, parce que je digère mieux ainsi, des fraises avec une nectarine, une pomme pour m'apporter des fibres. Puis ensuite, j'avais envie de rajouter une collation protéinée, étant donné que mon repas de ce midi a été plutôt light, hein, c'était un filet de cabillaud. Alors je rajoute aujourd'hui du thon, une boîte de conserve, hein, tout simplement de 93 grammes si je ne me trompe pas. Ça m'apporte presque 27 à 28 grammes de protéines, soit l'équivalent en vérité d'un shaker. Donc là, en fait, j'en ai environ pour à peu près 60 grammes de protéines lors de cette collation. À savoir que c'est un mythe de dire que le corps est capable seulement d'assimiler 40 grammes de protéines par repas. Vous imaginez, hein, sinon, comment votre corps réagirait s'il pouvait consommer que 40 grammes de protéines par repas? Non, votre corps, si vous voulez, il va prendre plus de temps à digérer les protéines. Après, c'est vrai que c'est mieux pour la digestion de pouvoir espacer vos apports en protéines. Sauf que là, j'avais juste envie, c'est comme ça, écoutez, hein, j'avais envie de prendre une collation en plus. J'écoute également mes envies et le plus important dans l'affaire, encore une fois, c'est que ton total calorique dans la journée, s'il est inférieur par rapport à ta dépense, tu le sais, tu vas donc perdre plus de poids, alors qu'à l'inverse, tu vas prendre plus de poids. Ça, c'est le premier facteur. C'est pas très grave si en soi tu consommes 60 grammes de protéines dans un repas. Après, c'est vrai que si tu as le choix, eh ben, c'est mieux d'espacer. Sauf qu'aujourd'hui, je n'en avais pas envie. Donc, la whey protéine aujourd'hui que je prends, c'est la mix protéine vegan. J'aime bien en fait, au final, ça fait plusieurs fois que je le prends. C'est plutôt bon, même au niveau du goût. À base de quinoa, à base, je te l'ai dit déjà, de protéines de pois, de protéines de riz, protéines de chanvre, farine de protéines de quinoa et farine de graines de courge. Vraiment très intéressant. Et je mélange avec du lait d'avoine ou du lait d'amande. Après, tu prends n'importe quel végétal que tu veux, il n'y a pas de souci. J'ai rajouté aussi des graines de chia, ça m'apporte également des oméga 3 végétales. J'en ai parlé dans la vidéo en haut à droite, hein, des apports en graines de chia. C'est bien de consommer une cuillère à soupe au début, voire même si tu peux monter jusqu'à 2 cuillères à soupe de graines de chia par jour pour t'apporter de l'ALA, donc des oméga 3 végétales. Oh là là, qu'est-ce qui se passe les petits chiens là? Qu'est-ce qui se passe là? Combat de petits chiens. Donc je reviens aux oméga 3 végétales. Ça t'apporte des bienfaits pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Et d'autre part, ça t'apporte plein de vitamines, de minéraux et aussi plein de fibres. Alors je ne sais plus combien de fibres ça contient une cuillère à soupe, mais ça contient énormément de fibres. Et il me semblait que 2 cuillères à soupe, eh bien tu te rapprochais d'une bonne moyenne, en tout cas fibreuse dans la journée. Donc très intéressant, écoute.
Pour information concernant le thon, j'ai rajouté aussi des épices. Tu sais qu'en ce moment, je suis à fond dans les épices. Piment doux pour rajouter un petit peu de goût, tu vois. Et du curry, la même, hein, parce que c'est bon. Et puis, je ne connais pas trop les bénéfices des épices. Pour ceux qui sont mieux calés que moi, exprimez-vous dans la barre des commentaires et dites-moi quels sont les intérêts du coup du curry. Je sais que le piment, par contre, augmenterait le métabolisme. Alors, je ne suis pas certain encore, parce que je n'ai pas vu encore d'études scientifiques à ce sujet-là. En tout cas, je n'ai pas approfondi le sujet. Pour ceux qui connaissent mieux que moi là-dessus, exprimez-vous encore une fois, dans la barre des commentaires. Écoutez, trêve de blabla, je vais consommer mes fruits, ensuite mes protéines et ma protéine. Allez, bonne dégustation. Mes sportifs, nous voici arrivés au repas du soir, le dîner. Voilà, on commence par une entrée avec mon meilleur ami Anthony Faux, des raviolis. Alors, quels sont les intérêts nutritionnels? Pour être honnête, ça t'apporte un petit peu de protéines, mais surtout du plaisir. Tu le sais bien, les raviolis, c'est pas ce qu'il y a de plus sain, si tu veux, dans une période de sèche. Mais pour autant, il est important aussi de se faire plaisir et de pas, comment dire, de pas perdre le goût du palais. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Donc, 6 raviolis coréens, aujourd'hui ce sera pour moi ce soir. Je vais les déguster. Et je te montre le plat principal dans un instant. Allez, regarde ça. Ravioli aux légumes. Excellent. Apprenez à vous faire plaisir aussi. En modérant la quantité. C'est en train de m'étouffer, mais c'est très bon. Et puis, pour ne pas culpabiliser, il y a aussi des légumes, regarde là. Là. Bourré de vitamines, de minéraux. Non, je rigole en fait. C'est une salade pour plus pour décorer qu'autre chose. Mais bon, tu m'as compris. Hein. T'as vu comment c'est joli. Une petite part, 6 petits raviolis ne te fera pas de mal. Voilà, t'es content. Tu ressors de table en plus. Ça fait plusieurs fois qu'on vient ici avec mon meilleur ami Anthony Faux. Et à chaque fois, on sort de table avec une digestion impeccable. Et voilà le repas de ce soir. Je te parle près du micro pour que tu puisses bien entendre, étant donné que je ne suis pas seul dans ce restaurant. Normal, hein, tu me diras. J'ai du poulet ce soir. Poulet barbecue. Non, poulet... comment appelle ça? Barbecue coréen. Barbecue coréen, voilà. Alors, tu vois, je prends des morceaux de poulet comme ça et je les place dans la grille, dans le grill, et plusieurs morceaux bien sûr pour pouvoir profiter pleinement de mes protéines. Et comme tu peux le constater, j'ai aussi des légumes, aubergines avec des champignons. Ça c'est très bien également pour m'apporter de plein de fibres, de vitamines, de minéraux. Et en accompagnement, des concombres avec des pousses de soja et du chou coréen, il me semble. Du coup, tu connais mon repas de ce soir. Stratégiquement, moi j'aime bien aussi le bœuf, mais comme tu le sais, je fais en ce moment attention à mon total calorique implicite, c'est-à-dire que je ne pèse rien. Mais pour autant, tu sais bien que la viande rouge, plus grasse, plus calorique que le poulet. Donc, j'ai choisi ça stratégiquement. C'est vrai que en dehors de ça, si je voulais pas faire attention, j'aurais choisi également le bœuf. Mais bon, comme je te l'ai expliqué dans un vlog précédent, il faut savoir ce qu'on veut. Hein, tu te rappelles ou pas de la vidéo avec le McDo? Si t'as pas vu la vidéo où justement j'ai été tenté avec un McDo, parce que j'aime ça depuis que je suis petit, je te l'ai expliqué dans le vlog jour numéro 8, perdre le gras du bas du ventre. Je te le mets. Cette vidéo, plutôt le lien de la vidéo sur le bouton i qui s'affiche en haut à droite, je t'invite à regarder. Tu verras mes sœurs, elles sont en train de me tenter avec un McDo. Et là, je suis en train de me décomposer parce que j'aime le goût, mais il faut savoir ce qu'on veut. Voilà. Tous ceux qui veulent venir à ce restaurant, je le conseille fortement, venez chez Oppa, restaurant coréen, 49 rue de Belleville. Allez-y, c'est convivial, c'est bon, c'est diète. Allez-y, feu vert. Bah écoute, mes sportifs, si vous avez aimé cette vidéo où je vous montre encore une fois mon quotidien, ce que je mange, comment je m'entraîne, eh bien, lâchez un like et n'oubliez pas, c'est très important, de vous abonner sur ma chaîne et de cocher sur la cloche de notification pour ne louper aucune future vidéo. Je te parle à côté, j'espère que tu vois bien ma bouche pour que tu puisses bien m'entendre. Bah écoute, sur ce, n'oublie pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et moi, je te dis à demain pour le jour numéro 10 déjà de mon challenge 14 jours pour perdre la graisse récalcitrante. Pour être sec comme Broly. Allez, à demain. Ciao, bisous.